Alors aujourd'hui, les enfants, c'est moi qui ai une question à vous poser. J'ai pas bien compris pourquoi vous voulez tous des animaux de compagnie. C'est mignon, c'est gentil et je pense que tout le monde aime dans la classe parce que c'est vraiment bien. Et vous n'êtes pas les seuls à craquer pour ces compagnons à quatre pattes. En France, plus d'une famille sur deux possède un animal domestique. On compte plus de 7 millions de chiens, mais la star, c'est le chat. Il y en a 13 millions. 13 millions pour 67 millions d'habitants. Moi, j'ai un chat. Il a 3 ans, il s'appelle Moustache. Et les chiens, c'est doux et ça... On va dire, c'est solidaire. Et aussi, quand, par exemple, quelqu'un est détesté de tout le monde, et ben, le chien, et ben, il sert à avoir un ami. Et puis, quand on habite tout seul chez soi, ben, parce que on habite tout seul chez soi, et ben, les animaux, ils apportent de la tendresse et ça nous fait du bien. Comme ça, au moins, si t'es triste, par exemple, il peut te réconforter, l'animal de compagnie. Moi, j'ai des tortues, Herman. Et avant, j'avais un hamster et une tourterelle. Des tortues, des hamsters, des tourterelles, c'est ce qu'on appelle des NAC, des nouveaux animaux de compagnie. Mais attention, parfois, il faut respecter certaines règles. Par exemple, la tortue Herman est une espèce protégée. Elle ne peut pas être prise dans la nature. Elle doit provenir uniquement d'un élevage en captivité. Vous en connaissez d'autres, des NAC ? C'est pas comme des chiens et des chats, c'est des petites bêtes. Par exemple, des araignées. On peut mettre dans des appartements. Pas des abeilles. Pas des chiens et des chats dans un appartement. Parce que ça cache tout. Des serpents aussi. Oui, des serpents. Et même parfois des singes ou des grands félins. En France, on en comptait 5 millions. Ajoutés aux chiens et aux chats, ça fait de nous les champions d'Europe des propriétaires d'animaux de compagnie. Le problème, c'est qu'on est aussi champion d'Europe de l'abandon. Chaque année, 100 000 animaux sont délaissés par leur maître et moins de la moitié d'entre eux sont pris en charge par la SPA. Sur la Côte d'Azur, la SPA parvient à trouver une nouvelle famille à plus de 300 chiens et chats maltraités ou abandonnés tous les ans. La SPA, c'est une association qui récupère les chats et les chiens qui sont abandonnés. Ceux qui sont à la SPA, c'est ceux qui ont eu un maître, mais peut-être qui ont été maltraités. Frappés, abandonnés, du coup, si tu les prends, on va dire, si tu les achètes, eh ben, ils se sentiront moins seuls que dans leur cage ou dans leur boîte. Oui, mais ils vont aussi être traumatisés. Bah non, c'était pas méchant avec eux. Ah, donc, mais ils sont traumatisés par le passé. Parce que, imagine, tes parents, ils sont pas gentils et vraiment très méchants quand t'es petit. Et après, quand tu seras grand, tu vas encore le savoir. I've done my sentence. Committed no crime. Un bad mistake. Ça a rien de les abandonner, on peut les vendre. Et suivant au prix qu'on le vend, et bien on peut gagner de l'argent pour. Oui, mais quand on les vend, on passe bien par. On va pas les vendre. Si on les met dans un colis, ils vont avoir trop chaud à ce que de mourir. Oui, pourquoi on le mettrait dans le colis? Pourquoi la personne à qui tu le vends, et ben tu lui demandes de venir chez toi ou tu vas chez lui et tu lui donnes. Et vous, vous en pensez quoi? Pour continuer de débattre ou si vous avez envie de participer à l'émission avec votre classe, rendez-vous sur notre site internet.